Venez ici tous. Prenez votre limonade ici. Une limonade, s'il vous plaît. Oups, ça serait $1, s'il vous plaît, monsieur. Comment ça va, Caillou? Ça va bien, maman. Regarde ce que j'ai déjà gagné. C'est merveilleux, Caillou. Il y a du monde. T'as besoin d'aide? Non, merci, maman. J'ai tout sous mon contrôle. D'accord. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. On est juste là, tout près. Un, deux, trois, quatre, cinq en tout. C'est un petit voyou. Pepper, arrête. Viens ici. Je suis désolée, jeune homme. J'espère qu'il ne t'a pas embêté. Oh, non. J'aime les chiens. S'il vous plaît, on peut jouer encore un peu? Qu'en penses-tu, Pepper? Et quel est ton nom, jeune homme? Je suis Caillou. Eh bien, Caillou, vas-y et va jouer. Et je vais prendre un verre de cette délicieuse limonade. Allons-y, Pepper. Hé, hey, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, wow, Caillou! Quel est son nom? Pepper, parce qu'il est noir, tu vois. Waf, waf. On dirait que quelqu'un est un peu excité. Ouais, il est vraiment sympa. Tu veux le caresser, Mousseline? Ici, Pepper. C'était un gros bisou, hein, Mousseline? Caillou, n'oublie pas ça. Ils ont passé un merveilleux moment ensemble, n'est-ce pas, Caillou? Ouais, merci. Eh bien, merci de t'en être occupé, Caillou. Je n'ai pas eu une journée aussi reposante depuis longtemps. Et je pense que Pepper s'est amusé aussi. Pepper a besoin de se rafraîchir. Ah oui! Pepper, allons jouer dans la fontaine! C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens, monte, Caillou! Oh. Oh. Ouf! Juste à temps! C'était tout juste, Caillou! Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin.
Enchanté. Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Sois béni. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour Caillou, très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou! Allons-y! Oh! Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Bien, Adrian Teddy, la ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandit Rexy. Oh, Shérif Caillou, venez vite! Salut Clémentine, qui a-t-il? Shérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque! Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? À cheval! Plus vite, Gilbert! Yeah! Yee-haw! Oui, c'était drôle! Bon, je dois déguerpir avant que le shérif n'arrive. Pas si vite, cow-boy. Eh bien, dis donc, voyons voir. L'argent n'est pas à toi. Maintenant, si. C'est moi le shérif ici et je te dis que tu dois rendre l'argent. Tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison. Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Dégaine!
Plus vite, Gilbert! Il nous rattrape! Shérif, bravo! La ville est sûre maintenant! Merci! Y a pas de quoi, camarade! Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest! Je t'aurai pour ça, shérif Caillou! Yeehaw! Shérif? Oh, shérif! Vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde. Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy. Merci, maman! Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure. Ouais! Et le shérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde. Tu veux construire un château de sable? Sûr! Tu sais, tout bon château devrait avoir une douve. Une douve est un lac qui entoure un château, le protégeant des envahisseurs. Oh! Il faut creuser bien profond, jusqu'au sable humide. Comme ça, la douve gardera sa forme. C'est un très beau château, Caillou. Tiens, attends un peu. Pourquoi? Ça! Super! Là, vous avez maintenant un château qui se garde des visiteurs indésirables. Hé, hey, Caillou, on fait une partie de frisbee? Ouais! Vas-y, Caillou, mais ne va pas trop loin. Je t'ai eu. Il faut que je me repose. Oh! Moi, j'ai une meilleure idée, Léo. Caillou. Mais attention, ne va pas trop loin. Accroche-toi. Il arrive. Vas-y. Yeah. Attention à ne pas boire l'eau de mer, Caillou. Elle n'a pas très bon goût. Mais c'est fruits glacés. Fruits glacés! J'adore! Caillou, galopin!
Pas si vite, Caillou. Oulala, on commence par quoi, Clem? Skiball, c'est mon préféré. Ouais, on peut, papa? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Eh bien, Caillou, c'est ton dernier lancer. Respire. Très bien, Caillou! Bien joué, Caillou! Excellent! J'ai hâte de dépenser mes jetons. Ne les dépense pas tous d'un coup. Le premier aux auto-tamponneuses, Caillou. Je vais t'avoir pour ça, Caillou. Waouh, les enfants, c'était super! Vous devez avoir faim! Eh bien, que voulez-vous? Voyons ce qu'on peut avoir avec ça! Ok, sur R! Oui! C'est un lait frappé froid, hein, Caillou? Oh, mini-golf! Allons-y! Clem, ne frappe pas trop fort, pas trop mou non plus. T'y es presque, Clem. Un autre coup devrait le faire. Le clown, c'est un peu effrayant. Tu veux jouer autre chose? Non, ça ira. Finissons le cours. C'est ça, Caillou. Tu y arriveras. Waouh, Caillou, un trou en un! Waouh, Caillou, c'était une bonne journée? Superbe! Alors, Caillou, raconte-nous ton week-end. Qu'est-ce
qu'est-ce que tu as fait? Bien, on a fait une grillade ensemble. Maman et papa sont allés au magasin acheter plein de choses à cuire. Burgers, hot-dogs, même les légumes avaient l'air délicieux. Mais nous avions besoin de se mettre en appétit. La glissade! C'est ton tour, Clem. Amusant. Clémentine m'a tellement mouillée. Mais j'avais une idée pour me venger. Bon, tout le monde, il est temps de manger. Je suis désolée, papa. Oh, pas si vite, Caillou. Bataille de nourriture. C'était la meilleure grillade de tous les temps. Quand la bataille a cessé, on avait tous très faim. Alors maman et papa nous ont permis une glace avant d'aller au lit. Et ça a été mon week-end. J'ai tant mangé à la grillade, plein la figure. Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline, c'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Merci. Va-t'en, toi. Dégage. Va chercher ta propre glace.
Qu'y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée. C'est pas grave, tu en auras une autre. C'est pas ma glace, c'est mon nez. Une abeille m'a piqué. Oh, mon pauvre Caillou. Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper. Elle essayait de manger ma glace. Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole. Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire « s'il vous plaît ». Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez, un cheval! Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr! Wow, c'est très haut! Tenez, pour votre protection! Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi! Ces spaghettis sont délicieux! Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles! Qu'est-ce que c'est? Là-bas, on a vu une forme géante dans le ciel! Était-ce un oiseau? On aurait dit un dragon! Un dragon? Il venait par ici! Le voilà! C'est un crache-feu vert! Mais comment le vaincre? Ce sera très difficile! Les dragons sont toujours furieux et très affamés! Que mangent-ils? Les nounours et spaghettis! Oh non! Allons cacher Monsieur Nounours dans le donjon! Il y sera en sécurité! Il est ici de nouveau. Il prépare son attaque. Vite, chacun prend une épée et un bouclier. Ok. Tout le monde est-il prêt? Prêt! À la charge! Fais pas peur. Va-t'en. Trouve tes propres spaghettis. Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon. Caillou, regarde pauvre Gilbert. Il a l'air vraiment effrayé.
Il ne comprend pas que vous jouez un jeu. Mais c'est le dragon, maman. Il veut manger Nounours et nos spaghettis. J'ai une idée. Demande donc à Rexy s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon. C'est une bonne idée, maman. Là, Rexy ressemble bien plus à un dragon. Oh, oh non, ce dragon est encore plus gros. Soyez prudent, Monsieur Nounours. Il veut te manger. Vos braves chevaliers méritaient une gâterie. Merci, maman. Un autre dragon. C'est Gilbert et c'est un chat très gentil. N'est-ce pas, Gilbert? Et voyez, il aime manger la glace. Pas les nounours. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça. Essaye maintenant. Très bien, Mousseline. Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez, ces enfants se battent contre un bateau de pirates. Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse. Attends, Caillou, il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite, on ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah, c'est froid. Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Quoi? Miaou. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, capitaine Caillou, viens ici. Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate. Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou, les pirates se défendent. T'inquiète pas, je l'aurai. Ah, on a la mer. Ouh, on l'a eu. Ouais. On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Yo. Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite?
Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. D'accord. Je te rattrape, Caillou. Ça y est, j'ai gagné. Bravo, Caillou. Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. Oh, la plus grande? On peut pas aller à la deuxième plus grande. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a deux glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, maman. Je te protégerai. D'accord. 3, 2, 1. Partez! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouf-tastique! Hé, Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde, on a reçu un paquet. Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghettis? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. Ouah! On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là. Maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou! Moi faire! Moi faire! Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Mousseline a dessiné des spaghettis. C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Papa, regarde le menu qu'on a préparé. Waouh, c'est incroyable. On pourrait manger les images. Ok, Caillou,
Je tiens les pattes et tu peux tourner la poignée. Ouah! Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde, il neige du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux! Moi aussi! Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés! Et aussi une barbe frisée!